Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera le tag All My Choose. Je vais commencer par la première question. Alors montre-nous ta paire la plus confortable. Ma paire, on va dire, la plus confortable que j'ai, je dirais que c'est celle-ci. Donc c'est des Skechers. Comme ceci. Donc comme vous pouvez le constater, ça a exactement la même semelle que la marque Nike. Donc voilà. Donc là, il y a le petit sigle Skechers. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il y a marqué Skechers. Et en fait, je vous explique pourquoi je les trouve super confortables. Parce qu'en fait, la semelle à l'intérieur, elle est complètement molle. Et vous avez l'impression de marcher sur du gazon synthétique. C'est juste, mais un pur bonheur. Et donc voilà. Ces chaussures, vous pouvez toujours les retrouver à la halle, à la halle aux chaussures, partout. Mais plus précisément, chez MBT. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'arrive à le trouver. Parle-nous de tes incontournables. Pardon, c'est mon chat qui bouge, mon bébé. Alors mes incontournables pour aujourd'hui, enfin pour maintenant, je dirais que c'est ces chaussures-là. Donc, qui viennent de Nantes. Je pourrais vraiment pas vous dire le magasin. Non. Ah bah si, c'est la halle aux chaussures de Nantes. Donc je pense que vous pourrez la retrouver toujours en magasin, n'importe où. Hein. Donc elles sont comme ceci, c'est des petites bottines à talons. Donc à l'intérieur, la semelle... Ah bah tiens, c'est ça le magasin dont je vous parlais, MBT. Donc je vais vous retirer la semelle pour que vous arriviez à voir. Donc elle est... Donc, voici la marque de mes Skechers. Donc, c'est ça. Donc, mes Skechers, vous pourrez toujours les retrouver dans ce magasin-là. Donc, voilà. Donc, ces chaussures, je les... Donc, ces chaussures ne viennent pas du tout de la marque dont je viens de vous montrer la semelle. Mais elles viennent de la halle à Nantes. Donc, voilà, elles sont nombreuses. Les incontournables, ce sont ces petites Ben Simon. Donc, pour celles et ceux... qui me le demanderont en commentaire. Ce sont des vrais. Je vous montrerai pourquoi. Déjà à l'intérieur il y a marqué Ben Simon. Et là il y a marqué Ben Simon. Donc voilà. Donc vraiment je les adore. Elles sont bleu marine. Toutes simples. Et j'adore. Ça va avec absolument tout. Des robes, des t-shirts. Enfin des t-shirts oui normalement. Des shorts, pantalons, jeans. Tout, mais vraiment, vraiment tout. Donc voilà, je les adore vraiment. Donc c'est ma soeur qui me les a offerts pour mon anniversaire de mes 12 ans. Donc vraiment, je les adore. C'est un gros coup de cœur que j'ai quand elle me les a offerts. J'ai vraiment adoré. Je sais que ça coûte quand même assez cher. Des vrais comme ça, je les adore vraiment. Donc Cécilia, si tu passes par là, je te remercie énormément. Donc voilà, ce sont mes incontournables. Ensuite, troisième question, la paire la plus ancienne de ton placard. Donc j'en ai deux. Donc celles-là, c'est les premières que j'ai depuis ancienne. Donc elles sont complètement mortes. Voilà, complètement mortes. Mais là, en fait, on dirait qu'elles sont toutes neuves. Mais regardez comment elles sont tuées. Elles sont complètement mortes. Voilà, donc là, ça s'ouvre. Voilà, elles sont mortes, ça s'appelle. Mais je sais même pas si elles vont encore. Attendez. Alors, elles ne vont plus, donc je vais les jeter. Ou je vais les mettre dans un truc de vêtements pour tri, là. Pour les pauvres. Donc, voilà. Donc, par contre, vraiment, ces chaussures, elles m'ont duré 2 ans et demi. Sachant que je les trimballais partout sous la pluie, dans la gadoue, dans tout ce que vous voulez. Donc, c'est des Crixx. Qui m'ont coûté quand même vachement cher, je me souviens. Et vraiment, la qualité est géniale. Donc je suis vraiment ravie de ces chaussures, je les adore, mais là malheureusement elles sont à leur fin de leur vie. Ensuite, donc ça c'est la paire la plus ancienne. Ensuite j'en ai une autre qui est un peu moins ancienne, qui date de mon anniversaire de mes 11 ans. C'est ça, de mes 11 ans, donc elles sont comme ceci, je crois qu'elles ne me vont plus maintenant. Ah oui, je sais qu'elles me vont, mais c'est vraiment juste. Donc voilà, j'adore vraiment ce look pailleté, blanc, gris,
Donc elles viennent de chez H&M. Donc je sais pas où il y a marqué H&M. Bah, il n'y a même pas marqué H&M. Bah, c'est dingue ça. Bah, elles viennent de chez H&M en tous les cas. Bah, c'est ouf. Bref, elles viennent de chez H&M. Je peux pas vous montrer la marque, il n'y a même pas marqué. En fait, je pense que c'était sur la semaine, mais la semaine, comme vous pouvez le constater, elle est complètement détruite. Donc, voilà. Mais j'adore vraiment cette paire de chaussures. Même si elle est quand même vieille et qu'elle ne me va plus très tellement, je pense. Donc voilà pour la paire la plus ancienne de mon placard. Donc ensuite, mes incontournables de cet été. Donc bien sûr, tout le monde a pour ses incontournables de cet été des tongs. Oups. Donc je vous les avais déjà montrés à mon avis dans mon vlog de Biarritz. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à venir le voir sur ma chaîne. Donc elles viennent de chez Gap. Voilà, tout simplement. Je les adore. Le seul petit bémol que j'aurais ajusté à ces chaussures, c'est que moi, en fait, j'ai les pieds extrêmement plats. Et donc, du coup, ce qui fait que ces chaussures sont extrêmement dures. En fait, c'est genre du béton. Vous marchez avec, c'est extrêmement dur. En fait, et quand on a les pieds plats, ils font des trucs mous. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il me fallait. Donc, je pouvais pas marcher plus de 100 mètres avec. Ça me tuait les pieds, j'en pouvais plus. Donc c'est bien pour aller à la plage à côté de chez soi, quoi. Donc voilà, par contre elles sont vraiment géniales. Donc voilà. Ensuite, donc, je les ai achetées cette année. Ensuite, pour ce qui est toujours des incontournables de cet été, j'ai ces petites, ballerinettes que j'ai depuis un an et demi maintenant. Qui me vont toujours, mais là ça va être la dernière année que je vais les porter parce que... Je vais quand même jeter pas mal de chaussures là, hein, je me rends compte. Enfin, je crois que je vais les donner. Donc voilà, donc elles sont comme ceci, elles viennent de chez Gémeaux je crois, non, de chez La Halle, donc vraiment elles sont bien parce que, bah parce que je les trouve vraiment géniales, en fait la fermeture ici quand même je sais depuis un an et demi donc elles pourraient être vieilles mais pas du tout, ça s'ouvre tout seul, donc voilà elles sont géniales, vraiment encore en bon état, hein. Voilà. Ensuite, ah le seul petit bémol c'est que, en fait, voilà la déchirure de la truc. En fait, elle s'est complètement décomposée. Voilà. C'est bête à dire, mais là, elle a commencé à être morte. Donc, il faudrait que je mette du scotch. Mais j'en avais déjà mis, mais ça n'avait pas fonctionné. Du coup, voilà. Ensuite, mes autres incontournables de cet été, enfin mes derniers, oui. Ce sont ces petites... Oups, je les fais tomber. Petite espadrille là que j'ai acheté à alors là je sais même plus où je les ai achetées, je sais plus, à Carrefour peut-être ou à Leclerc, bref. Non, mais pourquoi je dis d'autres noms des marques alors que je les ai tout le temps achetées à La Halle? Non, j'ai acheté ça à La Halle parce qu'en fait mes anciennes espadrilles elles étaient rose clair et je les avais achetées à Carrefour, mais en fait celle-là je les ai achetées à La Halle, donc toute simple, toute rosée. Donc, je les ai achetées la semaine dernière. N'importe quoi, moi. Je les ai achetées l'été dernier. Et vraiment, elles sont vraiment bien. J'ai marché au bord de la mer avec. Et normalement, ça prend l'eau. Mais là, franchement, elles ont séché super vite et tout. Et elles sont vraiment bien. Donc, voilà pour mes incontournables de cet été. Ensuite, ma dernière acquisition. Donc, aussi, que je mets tout le temps. Qui sont génialissimes. Donc elles sont comme ceci. Donc j'adore cette petite série de clous. Si vous voyez. Petite série de clous. Qui va avec tout. Donc devant c'est comme ceci. Il y a un petit scratch. J'aime bien les petits scratch. Malgré que j'aime pas trop avec les lacets. Mais voilà. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater. Vous pouvez constater qu'en fait. La semelle elle est carrément blanche. Pourtant, je les ai il y a 2 ans. Je les ai eu il y a 2 ans et je les mets vraiment tout le temps. Donc, elles restent blanches, hein, malgré que j'y prends soin, mais quand même. Donc, je tiens à dire que c'est du vrai cuir. Vu le prix où on l'a payé. Ensuite, j'aime bien l'intérieur de la chaussure. Parce que je ne sais pas si vous voyez. En fait, elle est comme ça. Donc, c'est des petits motifs léopard, on va dire. Donc, voilà, j'adore. C'est fourré, en fait.
tout le long, même la semelle, elle est fourrée. En fait, ça évite tout truc, quoi. J'adore, vraiment, j'adore. Donc voilà, ça, c'est vraiment une acquisition de ouf. Ensuite, mes chouchous du moment. Donc, comme vous pouvez le constater, il commence à faire frais. Car, ça y est, nous sommes en automne. Malheureusement, nous sommes plus en été. Oh, je suis dégoûtée de la vie. Bref. Il commence à faire frais. Le matin, il fait 7 degrés. Donc, voilà. Des fois, moi, je termine l'école, comme aujourd'hui, à 13h. Donc, c'est vrai qu'il fait vraiment frais. Et du coup, je commence à mettre celle-ci. Donc, je les ai depuis un an. Mon frère me les avait achetées à mon anniversaire. Ah bah non, je les ai depuis 2 ans. Mon anniversaire de mes 11 ans. Elles sont comme ceci. Donc vraiment, je les adore. Donc elles viennent également de chez MBT, comme je vous l'ai dit, avec la semelle. Donc c'est également de la marque Skechers, comme mes bleus de chez MBT. Donc vous pouvez sûrement plus retrouver ces articles chez MBT, mais bon, voilà. Elles sont comme ceci, vraiment sublimes, moi j'adore. Voilà, c'est des petites bottines. Le seul petit bémol que j'aurais à dire sur ça, c'est que je suis pas fan de la semelle qui est énorme, épaisse. Mais vraiment, j'adore la forme, j'adore. C'est vachement fourré à l'intérieur. C'est bien, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, ça reste tout blanc, malgré qu'elles aient pris la neige, etc. Franchement, c'est de la bonne qualité. Donc voilà, par contre, je commence à les mettre parce que dans 2 mois, elles n'iront plus. Donc voilà. Donc c'est mon frère qui me les a achetés, donc si tu passes par là, Romain, je te fais de gros bisous et merci encore. Donc voilà. Ensuite, les autres chouchous du moment, on va dire que c'est plutôt celle-ci. Donc celle-ci, celle-là, je les ai depuis 2 ans et demi. Donc là, en fait, dans peut-être une semaine, elles m'iront vraiment plus. Elles sont vraiment just, très 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 just. Malheureusement parce que, franchement, je les adore. Donc voilà. Tac tic touc. Mais je sais très bien que dans une semaine, elles n'iront plus, malheureusement. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vraiment, elles sont jolies. Je les ai eues à Gémeaux pour 30 euros, je crois, donc ça vaut le coup. Donc, c'est des American. Attends, ce sont des American River. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est marqué là. Vous allez voir à l'envers, mais bon. C'est bien là, ma petite lampe que j'ai mise là, elle est nouvelle. Et du coup, ça éclaire grave bien. Voilà. Du coup, on voit à l'intérieur, donc il y a marqué American River. Donc, pour ceux qui en ont, ce sont des vrais. Donc j'ai l'habitude de montrer une chaussure, hein, je vous rassure, mais j'ai les deux. Donc voilà, donc j'essaie de les mettre, donc c'est mes chouchous du moment. Parce que dans quelques jours, elles ne m'iront plus. Donc voilà, ensuite, mon dernier... Ah non, mon avant-dernière question. Quelle paire as-tu oublié dans ton placard? Donc franchement, ce sont celles-là, même si je vous les ai déjà montrées. Ce sont celles-là, je les ai vraiment zappées. Je crois que je vais les mettre demain, vous voyez, parce que je les avais zappées, je sais même pas si elles me vont vraiment encore, mais voilà, désolée pour le bruit. Ensuite, mon prochain achat, donc ce sont celles-ci. Donc elles sont comme ceci, donc ce sont, comme vous pouvez le constater, des Nike blanches que tout le monde a. Voilà, elles sont vraiment sublimes, je les adore, j'aimerais vraiment trop les avoir. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.